fait d'être loin de mon lieu d'origine, ça a apporté beaucoup de liberté à ma création artistique. Parce que je viens d'un endroit très religieux, il y a beaucoup de religions, et c'est très conservateur et il y a beaucoup aussi de machisme. Bon, donc le fait d'être ici en France, c'est un état laïque, ça fait une grande, une énorme différence. Parce que là en Colombie, t'entends le mot Dieu tous les jours, tous les jours. Ici, tu l'entends jamais. Donc ça fait beaucoup de différence. Et comme enfin, vous avez vu sur mon travail, il y a beaucoup de références aux icônes religieuses et la sexualité, les questions de genre. Donc c'est cette différence d'ambiance, d'environnement, ça me soufflait beaucoup de liberté à mon travail. En fait, j'ai grandi entourée du protestantisme et du catholicisme, parce que j'étais toujours dans des écoles catholiques pour des filles. Et de côté de ma famille, c'était le protestantisme. Donc j'étais toujours entourée de ça. J'allais, depuis que j'étais petite, j'allais deux fois par semaine à l'église. Une fois à l'église catholique et une fois à l'église protestante. Donc voilà. Beaucoup. Oui, voilà, beaucoup de religions. Et puis non, là, je suis plus croyante. D'accord. Ouais. Normalement, j'ai fait toujours appel à mon passé et les choses que j'ai vécues, ce sont mes documents principaux. Et c'est ça qui constitue, on peut dire, la source des motifs de ma démarche artistique. Donc, mais aussi, je me nourris constamment de choses qui, de ma vie quotidienne et des références visuelles, comme par exemple des magazines de mode ou de livres, des icônes religieuses, des livres d'art. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est mélanger un petit peu tout ça et donc voilà, commencer à créer des images. Et puis normalement pour choisir les images qui vont finir dans un tableau ou dans une photo ou un dessin, je choisis ces images qui ne me laissent pas tranquille, hein, voilà, dans mon esprit, qui sont là constamment, qui ne me laissent pas tranquille jusqu'à ce que m'en sort. Et puis voilà, c'est comme ça un peu que je fonctionne. C'est un peu une démarche autobiographique et psychothérapique en même temps. Et c'est constamment, il s'agit constamment de m'en sortir des choses que j'ai dans mon esprit. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne, plus ou moins. Et les icônes religieuses, ça m'a toujours fascinée. Et c'était aussi pour cette question de religion, parce que le protestantisme est iconoclaste. Les icônes chez le protestantisme sont interdites. Et moi, par contre, comme j'allais aussi toujours à l'église catholique, voilà, je voyais ça toujours. Et au niveau, enfin, ça ne me disait pas beaucoup au niveau religieux, au niveau, voilà, de ce qu'on ressent comme religion, Dieu, etc. Mais plutôt au niveau esthétique, ça m'a toujours touchée. Et puis ça influence beaucoup. J'adore aller à une église pour voir les tableaux, les décorations, tout ça. Je trouve qu'au niveau artistique, c'est merveilleux. Donc voilà. Tu aimes le côté graphique de la religion, en fait. J'adore, oui. En fait, si je pense que la religion en soi, c'est affreux. Mais le côté de, comment dire, le légué, comment dire, ce qui a laissé l'Église. L'héritage. L'héritage, voilà. L'héritage artistique, c'est... pour moi, il n'y a pas de problème qu'il y ait religion, juste pour que je puisse voir les icônes et tout ça. J'adore. Alors, voilà. D'accord. Justement, j'essaie de ne pas
donner des messages précis. Je cherche plutôt de relever des questions chez les spectateurs. Et de... Moi, j'aime pas que mes tableaux racontent des histoires précises avec un début et une fin. C'est plutôt... Je voudrais plutôt que les spectateurs soient debout et ils ne soient pas vraiment qu'est-ce qui se passe là, mais c'est une expérience esthétique qui réussit à, le, à lui attirer, à attirer son attention et à lui obliger à contempler, c'est ça. Mais je ne veux pas lui dire, je pense ça, voilà, c'est un peu ça.